Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, je veux un peu vous enseigner ce matin sur les étapes du travail spirituel. Donc, parce que j'ai beaucoup de personnes ça fait un mois que vous avez commencé. Certains, ça fait 3 semaines. Certains, ça fait 6 mois. Donc, je vais vous donner les facteurs qui influencent ou de travail spirituel. Donc, peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder ceci. Donc, je demande la présence des anges, du Saint-Esprit, des chérubins. J'invite la Vierge Marie pour qu'elle m'inspire et je mets sa protection sur chaque personne qui écoute. Que vous soyez à la maison, que vous soyez dans le métro, que vous soyez dans le train pour le boulot. Je bénis votre journée. Je vous couvre de sagesse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, amen. Donc voilà. Quand vous commencez, sans le savoir, le travail spirituel, ça commence même sans que tu ne sois conscient que tu es en train de faire un travail spirituel. Donc, tu restes comme ça là, tu es menacé. Tu as les problèmes. Tu as déjà tes ancêtres qui sont derrière toi. Tu as déjà la Vierge Marie qui est là, qui t'appelle. Bonjour, Yohou. Lino, Cathy, Queen, Michel, bonjour. Jospin, bonjour. Donc, tu as la Vierge Marie qui commence déjà. Et à ce moment, leur but, c'est de te protéger pour que tu ne meurs pas. Il y en a parmi vous, avant que vous ne soyez conscient de vos ancêtres, de que ta mère qui est morte là, que tu sois conscient qu'elle est là avec toi. Elle était déjà là avec toi. Certains, vous avez perdu vos parents très tôt. Certains vous disent, oh, je n'ai pas connu mon père. Oh, comme je n'ai pas connu mon père alors. Non, ne te dérange pas. Tu n'as pas connu, il est à mort, non. Ne te dérange pas. Donc, selon mon analyse personnelle, avant que tu ne saches qu'ils sont là pour veiller sur toi, ils sont déjà en train de veiller sur toi. Et le but, c'est quoi? Tu avais de la puissance avant d'entrer dans ce corps que tu as. Et quand tu es né, tu vois, si parmi vous, il y en a qui sont enceintes. Là où vous êtes actuellement, l'enfant qui est dans ton ventre. Je sais que vous n'allez peut-être pas croire. C'est pour ça que chez les Bamileke, il y en a qui, quand elles accouchent, elles disent que voilà mon père qui est revenu. Parce qu'avant que cet enfant ne naisse, son esprit était là quelque part. Je m'appelle, j'ai une cousine là, elle avait. Elle actuellement elle a 3 enfants. Mais le tout premier bébé qu'elle a conçu avec son copain, ils ont perdu l'enfant à 5 mois. Donc, quand elle était enceinte du deuxième, qu'elle a finalement accouché, qui n'est pas mort. J'ai rêvé, c'est comme si Dieu m'a mis au ciel, un truc comme ça. Je l'ai vu avec 2 enfants. Je lui ai dit que j'étais vu avec 2 enfants. Et le premier, c'était celui qui était parti. Le deuxième, c'est celui que tu portes actuellement. Elle, ça l'a beaucoup aidé psychologiquement parce que, tu vois, quand tu perds un bébé, tu te poses, tu as beaucoup de trucs dans ta tête.
il est où, est-ce qu'il va bien. Donc, avant même que l'enfant n'entre dans ton ventre, l'enfant l'a été déjà. Maintenant, quand l'enfant arrive, il naît. Il oublie. Il oublie. Il rentre dans les faux problèmes du monde ici. Oh, je n'ai pas l'argent de je n'ai pas la voiture. Oh, je n'ai pas la maison. Oh, je n'ai pas ceci. Voilà maintenant le problème, les préoccupations de l'enfant. Hein. Les ancêtres sont en train de lui montrer que voilà ton pouvoir. Il tombe dans telle chose. On m'a attaché. Oh, je ne peux pas me marier. Oh, les ancêtres sont en train de lui montrer que voilà ce que tu peux faire pour te marier. Voilà ce que tu peux faire pour avoir l'argent, pour construire tes immeubles. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que s'il ne rentre pas dans la genèse des choses, vous allez toujours, tant que tu as une mauvaise image de toi, c'est un peu comme si on ratait la fondation d'une maison. On va essayer de colisser les murs, on va mettre le pentiquat dessus, on va mettre les carreaux. Ça ne va pas donner, parce que la fondation d'abord, elle est erronée. Donc maintenant, quand tu arrives, et que tu oublies, tu as d'abord tes anges personnels qui sont là. Et il y en a parmi vous, vous venez d'une famille où personne n'était jamais conscient d'un travail spirituel à faire. C'est pour ça que tu regardes tes cousines, tes cousins, chacun est de son côté, il souffre comme il peut. C'est une famille de débrouillards. Même en se débrouillant comme il se débrouille, ça ne donne toujours pas. Maintenant, toi, tu te lèves. Tu oses croire que tu peux devenir une célébrité. Que tu commences les vidéos TikTok. Tu crois que tu peux devenir célèbre sur TikTok. Tu crois que tu peux avoir l'argent. Tu peux aller en bain. Alors que dans ta famille, personne n'est jamais parti en bain. Tu crois que tu peux arriver en bain, tu as les papiers, tu deviens français. Alors que dans ta famille, personne n'a jamais eu une autre nationalité. Même le passeport, ils n'ont même pas eu. Peut-être que tu es la première personne de ta famille qui a le passeport. Donc tu commences à émettre des rêves, à avoir une vision de toi qui te fait croire que tu peux accomplir plus. Tu tombes sur mes vidéos. Comme je vous mets le cœur du lion là dans la tête, tu commences à dire que je veux, je peux, moi aussi je peux, moi aussi je veux. C'est là que tes problèmes commencent. Tu as les rêves et je peux prendre l'exemple peut-être de trois de mes followers. Tu m'écoutes. Et ta mère, avant de mourir, ta mère partait déjà faire deux, trois trucs. Ta grand-mère priait pour toi. Ta mère, de temps en temps, lançait la poule pour toi. Elle partait, elle met la nourriture. Elle dit, voilà, je fais son nom de ma fille. Tu avais peut-être 3 ans au temps là. Ta mère meurt quand tu as 10 ans. De 10 ans à 30 ans, on ne fait plus rien pour toi. L'autre personne, l'autre cas de figure, c'est un jeune homme, supposons. Tu es même en prison. Hein. Il y a des gens qui m'écoutent de la prison. Bonjour à ceux qui sont en prison actuellement. N'ayez pas honte d'être en prison. Ce sont des situations qui vous ont amené là-bas. Aucune situation n'est permanente. Tu n'es pas né dans la prison. Et même si tu es né dans la prison, tu peux sortir de la prison. Ta vie avance, tu dépasses même les gens qui étaient dehors. J'ai un là, il avait un procès hier même. Il m'a dit qu'à l'issue de ce procès, parce qu'on a renvoyé le procès au 3, il m'a dit qu'à l'issue du procès, on va voir si on va le libérer ou pas. Et je salue aussi ceux qui sont en train d'attendre depuis 2 ans qu'on les juge en prison. Là. On a oublié votre dossier. Faites votre travail spirituel de là où vous êtes. Donc je prends le deuxième cas de figure. Tu m'écoutes. Tu es fatigué d'essayer. Hein. Mamie, tu as le 650, 739, 714. Ce n'est pas un de mes numéros, ma chérie. Je ne sais pas avec qui tu as causé.
Tous mes numéros sont ici. Je ne sais pas pourquoi vous passez toujours autant à écrire à des personnes que je ne connais pas. Hmm? Tous les gens que vous passez le temps à les scammer, vous scam là. Vous avez le travail à faire sur vous. Hein. Et les scammers vont maintenant vous dire qu'ils vont faire l'appel vidéo. Hein. J'ai vu un scammer hier sur la page. Là. Il était là, il disait que je vais vous faire la vidéo. Donc, redoubler de vigilance. Je ne vous écrirai jamais. J'ai mis toutes les photos, les vidéos sur la page. Maintenant, quand vous êtes tellement paresseux et tellement bête, moi, vous-même, vous connaissez comment j'ai dit mes choses. On te dit, pas sur la page en haut de la vidéo, tu regardes le numéro. Non, tu attends, le scammer t'écrit. Ah, je pensais même à toi, reine-mère. Oui, j'envoie l'argent où? Pardon, je suis vraiment dedans où? Vous allez partir, ils vont vous consulter, ils vont vous bénir. Moi, je ne suis pas moi sur ça. J'arrive au marché hier, je tombe sur une jeune fille, elle me voit. Tu es la femme de TikTok. Il dit, pardon, excuse ma vie. C'est toi, c'est toi. Ok. Donne-moi ton numéro. Il dit, ma chérie, prends ton téléphone devant moi. Il va te montrer comment trouver mon numéro. Elle part, elle clique. Il dit, écris, tu vas voir, ça va devenir dans ma main ici, là. Il dit, écris. Eh, j'ai compris. Elle clique, elle voit, ça tombe. Il dit, vous êtes bête. C'est pour ça que vous, les femmes, vous faites les hommes, vous trompent en désordre. Tu ne peux pas réfléchir. Mais, dans la vie d'aujourd'hui, hein, tout le monde veut escroquer seulement tout le monde. Oh. Moi, je vous dis, hoha. Ne voyez pas comme chaque matin, mais là, je parle, je fais les vidéos, je vous explique les choses. Tout le monde rêve de vous escroquer. Bon, je reviens à mes explications. Bon escroquage, on vous escroque, c'est bien pour vous. Je vous dis encore, je ne vous écrirai jamais. Là, bonjour, écris-moi en inbox, jamais. Je n'ai pas le temps. Vous voyez combien d'abonnés il y a sur la page ici? Vous savez combien de messages on reçoit par jour? J'ai tellement de personnes qui sont là pour m'aider avec les messages. Vous devez laisser les gens là, ils vont encore venir t'écrire. Maman, pardon. Ok, continuons. Donc, j'ai dit ceci. La deuxième personne, tu es, peut-être, supposons, tu es en prison. Parce que j'ai dit la première, ta mère travaillait sur toi, parce que tu avais peut-être jusqu'à l'âge de 10 ans, elle est morte. Et de 10 ans à 35 ans, on n'a jamais travaillé sur toi. Maintenant, la deuxième personne, tu es, supposons que tu es parti Boza. Vous connaissez le Boza, non? Tu t'es levé, tu as dit que tu vas partir en Europapier. Tu es arrivé dans un pays, tu es calé. Chaque jour, tu es là, tu me regardes. Tu me regardes. Je donne les vidéos, tu regardes, tu dis à la femme, c'est là. Maman, les scammers sont pleins sur la vidéo, sur aujourd'hui. Ok. Nawoti. Je vais tout te bloquer, pas envoyer encore l'autre, je vais te bloquer. Mais vous-même aussi me gagnez parce que je crois que les scammers se reconnaissent quand même, non? Quand tu vois un scammer, tu ne connais pas que c'est un scammer. Ils ont des messages bizarres qu'ils envoient toujours aux gens. Donc tu es bloqué au Maroc ou bien tu es bloqué quelque part. Ou bien tu es arrivé, tu as demandé l'asile. Depuis 8 ans, on n'a jamais ouvert ton cas. Donc tu es immobilisé dans ce que tu es censé faire. Et vous deux, vous me regardez. Le premier qui est immobilisé, on n'a jamais rien fait sur lui comme travail spirituel. Vous commencez à écouter mes vidéos. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Ah, donc, je peux commencer à me laver avec le sel. Bon. Les deux me regardent pendant 2 mois d'abord. Ils m'insultent d'abord dans leur tête. Après un matin,
Et c'est aussi l'astuce du sel de la femme là, non? Ils prennent le sel, ils mettent dans l'eau. Verse quand même sur eux. Hein? Le jour là, la femme la vend un peu. Je dis, mais peut-être ça marche. Hein? Si on prend 6 mois, pendant les 6 mois là, chaque mois, chaque jour, les gens là font les lavages au sel chez eux. Chacun d'entre eux demande peut-être un lavage à distance. Supposons, en 6 mois, ils font le lavage à distance 6 fois. Peut-être un an. Parce que le problème, c'est que quand tu es bloqué, même l'argent pour faire ton travail, tu n'as pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, commencez d'abord, tu te laves avec le sel. Hein. Ton argent va quand même entrer un peu. Quand ça entre, mets la priorité sur ton travail spirituel. Quand l'argent commence à entrer, ok, le mois, si je vais acheter un kit de blocage, tu achètes, tu commences à faire. 2 semaines plus tard, tu as encore l'argent. Hey, normalement, l'argent, c'est ça tous les mois. Vous allez voir qu'on va regarder au bout de 6 mois. J'ai un petit comme ça qui est venu à Yaoundé l'autre jour pour que je le lave. Il me dit, son premier lavage que j'avais fait, avec son offrande à l'eau, pour ce lavage-là, il a eu... Vas-y, cherché le boulot depuis presque 6 mois. On l'a appelé dans un endroit où il avait postulé. On a dit, viens. Il était même choqué parce que il savait que quand il dépose, il dit que l'endroit était bien. Maintenant, on l'avait appelé comme ça, là, il a encore laissé, non. Il a dit, ah, travail spirituel, là, il n'était plus trop fort dedans. Quelques jours plus tard, ça a capoté. Ça ne marche plus. Il me dit, mais j'ai fait le truc à l'offrande à l'eau. J'ai fait, je me lave avec le sel. On m'a appelé. Après, ça ne marche plus. Pourquoi? Tu vas. Ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à avoir les petites ouvertures que tu n'avais même jamais avant. J'ai une comme ça. Elle a commencé le travail spirituel. Elle cherchait à voyager depuis. En 4 ou 5 mois, elle a eu son visa. Elle est partie en Europe. Je lui ai dit que comme tu parles, ce n'est pas tout. Certains parmi vous, vous venez avec les antécédents, les blocages qu'on avait mis sur ta mère et ta grand-mère. Elles ne se sont pas libérées, elles sont mortes. Le même blocage est venu sur toi. On ne t'a pas libéré. Et ça en train de partir sur tes enfants. Observe la vie de tes enfants qui ont 18-15 ans là. Ils ont échoué 3 fois. Ils devaient être sélectionnés dans l'équipe de foot, je ne sais pas trop quoi, là-bas à Paris. Ça a raté. Je sais que ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Quand vous êtes tellement aristocrate là, ou bien bureaucrate. Tu dois d'abord, on va prendre le jeune homme là qu'on n'a jamais rien fait comme travail chez eux. Lui, il va peut-être passer même 2 ans de travail spirituel continu. Moi, j'estime seulement. Hein, parce qu'il y en a quand vous venez, vous faites un peu 2-3 semaines. Après, ça ne donne plus comme vous voulez commencer. Ah, le truc ne marche pas, tu ne laisses pas. Donc, tu vas faire, une porte va s'ouvrir. Tu vas travailler même 6 mois sur toi. Un matin, on t'appelle, on dit c'est toi qui traverses aujourd'hui. Tu pars dans l'eau, arrivé, on vous bloque, tu rentres. Tu dis, ah, mais j'avais fait le travail sans machine. Tu vas encore reprendre. Tu fais encore. Quand tu fais, ça enlève les couches sur toi. Tu repars. Peut-être la troisième fois. Avant même, on ne te prenait même jamais. Depuis que tu as commencé ton travail spirituel, on te sélectionne même sur les gens qui partent. Souvent, quand tu arrives, on disait que le bateau doit prendre 15 personnes. Tu es la 16e personne ou la 17e personne. Chaque jour, tu étais la 17e personne du bateau. Troisième fois, tu passes. Tu arrives devant. Tu entres bien en bain. Hein? Comme tu entres là, ce n'est pas fini, non.
Parce que les forces qui t'empêchaient d'arriver là-bas vont t'empêcher d'être stable pour aider ta famille. Vous dealez avec les entités générationnelles. Vous dealez avec les esprits qui ont gâté la vie de ton père, la vie de ta mère, de ton grand-père, de toutes tes grand-mères. Maintenant, déjà, l'enfant, c'est la croix qui part où? Il croit que ton grand-père avait failli être footballeur dans l'équipe nationale, non? Ça n'a pas donné, non? Ton père lui-même, quand on devait le sélectionner, il a eu mal au genou, non? Te voilà maintenant. C'est maintenant toi qu'on doit tuer en train de passer les tests, non? N'est-ce pas? Oh, je parle comme ça pour quand même un enfant de 22 ans. Tu peux t'asseoir, tu regardes. Mais on voulait épouser ma mère à 18 ans, la mener en bain. Ça a foiré. Ma grand-mère s'est mariée. À 20 ans, son mari est mort. Me voici. J'ai 19 ans. Mon wat est venu, voulait m'épouser. Mais tant on fait les problèmes, parce qu'elle est partie. Ma chérie, il y a quelque chose qui te guette depuis là. Et le truc, c'est que vos mamans, vous connaissez vos mamans simpletonnes là, non? De tous ces 52 ans qu'elle a vécu sur la terre, ta mère n'a jamais eu la présence d'esprit. Parce qu'on lui parlait, elle dit non, c'est Dieu. Chi. Nashi. Moi, je n'ai pas chi. Chi. Carotte, c'est ta gagne. Et certains de vos gens, quand ils vont voir les choses que je vous montre ici, là, ils vont commencer à dire, tu l'assumes pourquoi? La fille, elle exagère. Parce que dans ton travail spirituel, tu dois connaître à quel niveau tu es. Il y en a parmi vous, vous avez commencé à payer votre dîme le mois sinon. Octobre, ta première dîme que tu as payée, non. Deux semaines, tes choses vont s'ouvrir. Bam! Après, le blocage va commencer. Ou bien un mois, deux mois, ça marche. Après, tu es bloqué. Quand tu es bloqué comme ça, là, la première idée qui vient dans ta tête, arrête la dîme. Arrête la dîme. Parce que les esprits la connaissent que si tu es dans ta génération, dans toute ta famille, tu es la première et la seule personne qui paie la dîme. Tu es en train d'attirer sur toi des bénédictions et des protections extra. Extra. Qui sont en train de creuser les choses qui ont bloqué. Ta mère, tes cousines, les cousines de ta mère. Il y a des familles où ta mère et tous ses frères ne se parlent pas, non? Et tes enfants sont en train, ils ont déjà quoi, 20, 22, 23 ans, ils sont en train de faire les problèmes entre eux. C'est une malédiction de ta famille qui est en train de venir sur tes enfants. Donc si tu n'agis pas, je crois que tu connais ce qui t'attend. Tu auras tes 70 ans comme ça là, tu vas appeler tes enfants, personne ne va même te calculer. Ils auront les problèmes entre eux, ils vont se déchirer. Donc je reviens maintenant à la jeune femme, dont l'histoire que j'ai pris au départ, dont la mère travaillait déjà un peu sur elle. Le travail qu'on a fait sur elle pendant qu'elle était petite, ça a déjà mis une fondation. Parce que, est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici dehors pour qui on n'a jamais prié? Donc on ne s'est jamais assis comme ça, on a dit que Seigneur, bénis-moi Blandine Flore. J'ouvre les portes de Blandine Flore. Je viens mettre comme ça, je donne 500 d'offrandes, 500 francs ici dans la quête comme ça, là, pour la tête de Blandine Flore. Du moins que les anges la protègent. Vierge Marie, je viens faire la neuvaine ici. Pour que tu protèges Blandine Flore. En passant, Blandine Flore, je prie pour toi, Bouchouan. Maintenant, toi, à 35 ans, tu commences à prier pour toi. Tu commences à donner des sacrifices financiers, des sacrifices physiques d'habits, de ceci, oh. Chaque mois, tu prends les habits, tu pars à la friperie, tu fous les habits. Tu peux donner dans les orphelinats. Je donne ça comme ça pour restaurer ma vie, pour arranger la vie de mes enfants. Ça veut dire que depuis 5 générations, c'est maintenant qu'on est en train
de mettre une armée spirituelle, d'activer, je vais dire. Et le spirituel n'est pas le hasard. Hein. Souvent, tu vois quelqu'un, vous allez vous demander le ngoun ensemble. Elle demande ça pas 3 semaines plus tard, on l'appelle, on lui dit, madame, on a accordé. 6 mois plus tard, là, les papiers travaillent. 8 ans plus tard, tu es encore là, on n'a pas encore fini avec ton cas. Mais demande, ma fille, tu es venu accompagner les gens sur la terre. Je t'assure, hein, si tu checkes dans la vie de cette fille, que ces choses marchent. Elle a une grand-mère qui prie pour elle. Elle a quelqu'un quelque part qui est en train d'intercéder, d'envoyer les forces positives, protéger cet enfant. Qui part, fait le work, je vous dis. Je vous donne tous les cas de figure pour que vous compreniez que peut-être toi, tu t'es levé, personne n'avait jamais rien fait pour toi. Décide maintenant toi-même que ça va commencer sur moi. Moi aussi, j'aurai l'âme. Et je parle toujours de sacrifice financier en premier parce que le jour où Dieu m'a montré la révélation d'acheter sa liberté spirituelle avec l'argent. Voilà mon propre. Parfois, je reste aux âges les questions pour Dieu. Il dit que Dieu, voilà. Et que ça, c'est normal. Il me dit, si quelqu'un veut manger, il a besoin de quoi? Je dis l'argent. Si on te met en prison, on veut te sortir, on demande la caution. Il faut quoi pour la caution? L'argent. Tu veux acheter la voiture, il te faut quoi? L'argent. Tu veux les chaussures, il te faut quoi? L'argent. Donnez-moi une chose. Même l'amour. Il y a les gars que vous achetez l'amour de vos filles. Il y a les femmes que vous achetez l'amour de vos gars. Avec l'argent. Et là, il me montre en retour qu'il n'y a que les chrétiens qui pensent que on va tout acheter là-bas dehors avec l'argent. Mais quand on va venir dans le spirituel, tu ne vas pas sortir l'argent. C'est pour ça que moi, je vous dis moi la vérité, Roha. Je vous dis, cache, tu veux, tu fais, tu veux, tu ne fais pas. Ce sont mes sacrifices financiers qui m'ont libéré et qui continuent de me libérer. Il dit toujours, il ne faut pas seulement dire, ça va commencer sur moi. Vous n'aimez pas les belles paroles que sont au bâtiment de l'église. On vous dit, oui, déclarer ceci, tu dis. On dit, déclarer ceci, tu déclares, tu rentres à la maison le soir, tu as faim. Tu n'as pas la nourriture pour dormir, pour manger, dormir. C'est chaud. Tu cherches le boulot depuis 6 mois. Si tu viens, tu as besoin de boulot. C'est ce qu'il va te demander. Fais une offrande. J'ai une fille qui m'a regardé sur la vidéo aussi l'autre jour. Elle me dit que je lui ai dit de venir à Makepe. Je ne sais pas si je lui ai dit de venir. Mais elle est venue. Elle arrive. Elle dit que ma chérie, seulement pour le fait que tu as cherché l'endroit, tu es venu. Même quand tu me dis, elle pleurait l'argent, je n'ai pas l'argent. Quand tu la regardais comme ça, tu vois sur son visage les voiles noires, les cabossages. Elle dit que ma chérie, sur toi là, il y a tellement de travail à faire. Mais je vois que tu ne veux pas rester dans le trou là où on t'a mis. Tu as la volonté, tu veux sortir de là. Quand on a fini de faire le lavage, tout le monde, j'ai dit à tout le monde, on va faire un don à l'orphelinat tout à l'heure. J'ai passé l'assiette. Il dit, déposez là votre argent, vous priez sur ça. Même la fille qui est venue, elle disait qu'elle n'avait pas l'argent. Elle a sorti, je disais, c'était 1000 francs qu'elle avait donné, je ne sais même pas, elle a mis dans la quête là-bas. Il lui dit que si elle ne te dit pas ce qu'il faut pour que tu sortes du trou où tu es, tu vas continuer à rester dans le trou. Je vous apprends à prier sur l'argent que vous donnez aux gens. Chaque mois, tu peux choisir même 4 neveux dans ta famille. Tu envoies l'argent de baigner. Tu sais que ça ne va rien te coûter. En envoyant, tu peux que Seigneur, comme je m'occupe de ces enfants-ci, le mois prochain, je voudrais encore avoir plus. Pour m'occuper encore de plus d'enfants. Je vous assure, si votre argent n'augmente pas le mois là, pour les dons à
l'orphelinat, vous envoyez n'importe quand. Hein. Chaque fois que vous envoyez, si c'est sur PayPal, vous précisez que c'est pour l'orphelinat. Le don PayPal, tu mets seulement don à l'orphelinat. Dès que je vois, on envoie l'argent. Et ça fait peut-être une semaine, elle avait 5 enfants qui étaient à l'hôpital, ils étaient malades. Donc c'était très difficile sur elle. Donc je crois que pour on avait cotisé. La collecte qu'on a fait là, ça a donné un truc comme 100 000. On a envoyé ça. Ça a quand même aidé. Il y en a parmi nous que Dieu ne peut pas permettre qu'on te fasse quelque chose. Parce que trop de vie dépend de toi. Si tu traverses, tu pars en Espagne, tu ne vas pas aider seulement ta mère. Et c'est à partir du Maroc que tu vas commencer à aider les gens là. Souvent, même si tu as seulement 10 000 pour le sac de riz, envoie. Tu dis, allez à l'orphelinat, trouvez un orphelinat au quartier. Partez donner ça aux enfants là-bas, mon nom. Apprenez à ouvrir vos portes. On te voit, tu es là. Tu es dans les alcools tous les jours. Tu es en bois de nuit. Après, tu dis, ma vie ne va pas, ma vie n'avance pas. Pourquoi Dieu va t'aider? Tu dis que certains parents n'aiment pas qu'on aborde le sujet de la spiritualité. Moi, personnellement, hein, c'est des choses que je ne discute pas avec mes parents. Avec mon père surtout, parce que ma mère, elle est déjà décédée. Donc, je travaille avec elle à partir de là où elle est. Moi, j'étais bloqué dans les blocages plus. Hein. Quand j'ai trouvé ma voie, Le truc, c'est que quand vous connaissez un petit truc, vous essayez de convaincre tout le monde. La spiritualité, c'est quelque chose de très intime. Tu peux venir, tu montres à quelqu'un. Demain, la personne dit que c'est toi qui l'a détourné, c'est toi qui l'a amené, on l'a escroqué, c'est toi qui l'a... Donc, c'est pour ça que l'affaire de spiritualité, c'est très personnel. Et il y a même des personnes que tu peux commencer comme ça. Je suis dans ma phase où j'ai déjà fait tout mon travail, je suis en train de monter. Toi, tu es dans la phase où tu es encore en train de couper les racines de tes baobas. On passe 6 mois, tu vois comment ma part a fait qu'on monte, mes choses entrent. Ta part, ça sèche. Ça sèche, tu arrêtes même de payer même encore ta dîme, même le petit qui est la dîme là, tu ne payes pas. Et à un moment, tu te décourages, tu commences à dire que je t'ai trompé. Je dis que non, j'ai commencé. Ça fait 10 ans que j'ai commencé. J'ai des personnes que je côtoie personnellement, on va dire au quotidien. Certains de mes employés peuvent leur dire, mais d'autres ne payent pas. Et je ne vais pas vous mentir, je vois la main de Dieu sur ceux qui payent leur dîme. Ceux qui ne paient pas la dîme sont en train de souffrir. Ils ont dit, oh madame, on peut payer l'avance de salaire, j'ai des problèmes. Madame, ça ne va pas à la maison. J'ai mes employés que je sors le salaire, je leur donne. Comme ils ont écouté mes enseignements, ils prennent encore 10%, ils viennent et me donnent. Que madame bénissait ma dîme. Je mets ma main sur ça, je bénis et te dis, voilà, je prie. Parfois, ils ont payé un mois, le mois d'après, ils ne payent pas. Les 2 mois là, ils souffrent. Et c'est un chemin qui est tellement solitaire que n'essaye pas d'entraîner quelqu'un avec toi. Même quand tu es avec ton mari a son chemin, tu as ta part. Tu passes 2 heures par jour à m'écouter. Quelqu'un ne m'a jamais écouté. Avec toute la foi que tu as eue en m'écoutant là, tu crois que tu vas aller lui dire quoi jusqu'à il va comprendre, il va faire, vous allez avoir les mêmes résultats. C'est impossible. C'est pas possible. Il y a des principes qu'avant j'écoutais, je blaguais avec, je fais 1 mois, je ne fais pas, je ne fais pas. Et
Chaque mois, si tu es vigilant, l'Esprit va te révéler ce qu'il y a à faire. Peut-être le mois-ci, il va te dire, va peut-être au village, tu dois nettoyer la tombe de tel ou il y avait un enfant que ton père avait eu avec telle femme. Après, il a abandonné la femme là. Elle est morte. Il faut que tu partes là-bas pour nettoyer la tombe de la femme là. Donc, c'est ça qui est en train de parler sur toi. Donc, tu as passé tes 5 derniers mois dans les lieux à nettoyer, au village. Oh. Tu envoies le mois-ci, tu as un peu d'argent, tu envoies 100 euros, on peut en faire. Le mois prochain, tu envoies 100 euros, on peut en faire. Un moment, tu restes comme ça, tu vois le boulot de 3000 euros le mois là que tu cherchais depuis. On t'appelle, on te dit, madame, vous commencez quand? Tu dis, mais je n'ai même pas le diplôme. On dit, non, madame, ne vous dérangez pas, on va vous former sur le boulot. 3000 euros le mois. Après, tu montes à 3500, après 4000. Donc, celle qui disait que son fils est au Maroc. Vos enfants, faites beaucoup de travail pour vos enfants. Parfois, ton enfant ne comprend pas, il ne connaît pas. Toi, tu connais, tu écoutes mes vidéos. Tu vas envoyer souvent à vos enfants, s'ils veulent, ils écoutent. Maintenant, toi, la mère, c'est ton devoir d'aider cet enfant. Ne faites pas comme les mamans ticones qu'on connaît là. L'enfant échoue, je t'avais dit. Non, 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 non. Il y a même le genre de mère que elle t'envoie seulement que lèche l'autre là, mets en bas de ton pied, fais comme ça. Boule l'autre là, tu bois 3 jours. Pour de le thé de désenvoûtement là, tu envoies l'enfant. Boule ça, tu bois pendant 6 jours. Il dit, oh, la mère l'a dérangé. Tu as bu? Oui, la mère. Les hommes comme ça là, quand ta mère meurt, tu confirmes le code. Tu pleures comme ça quand t'as pas vient. Ton père vit à l'étranger, sa femme est africaine et très spirituelle, respectueuse et véridique. Oui. On ne porte pas quelqu'un sur son dos dans le spirituel. Hein. Tu vois, parfois, on voit un couple comme ça là. Et quand c'est l'homme qui n'a pas le bon travail comme ça là, il va commencer à frustrer parfois la femme. Alors que c'est ces choses qu'elle applique. Jemo Wilfried Fosso. Si tu es dans quelque part, on te dit que tu es dans la secte. Que les gens disent ou qu'ils ne disent pas. Est-ce que les gens là te donnent l'argent?